Oui, vous êtes bien Valérie Damido pour l'émission Le Casting Art et Déco. Valérie Malodo. Ah ok, bah c'est parfait, rentrez quand même. Donne-moi la caméra. Pour commencer, avant de repartir en appartement, mademoiselle Malodo, eh bien il faut boucher tous les petits trous comme ça. Eh ouais, parce qu'avant c'était mon étagère qui était ici. Alors c'est parti, let's go. Regardez, je vais vous apprendre comment reboucher un trou avec du ni clou ni vis. Si vous avez pas de ni clou ni vis, petite astuce de la journée. Vous pouvez le faire avec un tube de dentifrice. C'est pas des conneries, ça marche super bien. Prenez un tube de dentifrice à 50 centimes là, c'est au top. C'est un truc de fou. Pourquoi ça prend pas le manger plus? Ça fout ou pas? Vous pouvez filmer de plus près, caméraman, hein. C'est pas interdit, hein. Non mais pas ma tête, ce que je fais aussi. Montre-leur comment que j'ai bien bouché les trous là, montre-leur. Oh, vous inquiétez pas, c'est comme ça, mais après ça va être nickel. Vous allez voir. Tiens, regarde, montre-leur comment que je suis bien bouché les trous là. Regarde, montre-leur ça un petit peu là. Hein? Vous avez jamais vu hein, cette facette, hein? Vous savez pas que je faisais aussi que j'avais rebouché les trous comme ça, moi, mon vieux. Hein? Et ça met combien de temps à sécher ça? Bah, regarde le truc marqué dessus. Combien de temps que ça met pour sécher ça? Tiens. Attends, donne-moi ma caméra. Ne vous inquiétez pas, je prends les choses en main. Je me suis les mains, mon vieux, j'ai les mains dégueulasses. Là, regardez-moi ça, comment que je suis fier de mes trous que j'ai rebouchés, là. Ils sont super bien rebouchés, c'est un truc de malade. Hein? On voit plus rien, hein? On sait même pas si j'avais collé une étagère ici ou pas, mon vieux. C'est l'heure de déposer les bâches. Parce qu'avant de refaire une bonne peinture, eh bien, faut déjà déposer des bonnes bâches. Faut pas en foutre partout. Voilà, c'est pour le casting. Petite astuce du jour. Chef des travaux finis, moi. Eh ouais. Comment c'est chaud, mon vieux. Impeccable. Yo les res, salam alaikum à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va déguster un seau de peinture de la marque Renault Lac. Ça doit pas être mauvais quand même. Bien sûr, je déconne. Dédicace à TK78. Je l'aime bien, c'est un bon gars lui. Dédicace à toi si tu vois cette vidéo. On sait jamais. Va savoir. Bon, et ben c'est parti, mon vieux. Opération rouleau. Oh, vous inquiétez pas. Je compte bien la récupérer, ma caution. Ouais. Bon, que ça soit en fil ou ce machin, mon dieu. Ah, bah, je peux prendre la page tous les jours. Ici Jolac Damido pour le casting de l'émission Art et Déco. C'est parti. Je rigole plus. On sort l'escabeau, mon dieu. On sort l'escabeau et je vais te le repeindre pour l'appartement. Tu vois, voilà. Je vais la récupérer, ma caution. Y'a pas moyen. D'amido pour la pose syndicale, c'est la merde, je vous assure, c'est la merde. Regardez ça, j'ai l'air d'un bonhomme de neige, mon vieux, c'est un truc de malade. J'en ai partout, de la tête aux pieds. Je crois bien que j'ai plus de peinture sur moi que j'en ai foutu sur les murs, c'est un truc de malade. Et j'ai pas fini hein. Parce que après, j'ai la deuxième couche à passer, mais ça, faut que j'attende le lendemain et tout, donc c'est un petit peu la merde. Voilà, pose syndicale. Donc tranquillement. Et ça paraît pas, mais c'est vite fait crevant quand même, hein. Ah, je peux te dire que tu galopes sur l'escabeau et tout, monter, descendre et tout. J'ai fait que ça. Putain, j'espère que ça va partir, ça. Laisse tomber, j'en ai partout. Va carrément falloir que je prenne un bain de dissolvant, mon vieux. Ça va être un truc de fou. Eh ben, j'ai déjà peint tout ça, mon vieux. C'est déjà pas mal, hein. Voilà.
Ça, c'est la pièce où je faisais les vidéos avant. Vous la reconnaissez peut-être pas comme ça, parce qu'elle est complètement vide. Mais c'est bien celle-là. Eh ouais. En fait, c'est mon ancienne chambre. Je faisais les vidéos ici. Le bureau, il était là. Voilà. Là, il y avait le bureau. Là, il y avait mes deux étagères où je mettais ma caméra et tout, machin. Voilà. Là, il y avait la petite commode. Là, il y avait la grosse armoire noire. Là, il y avait les tables de nuit et tout. Il y avait le lit, il y avait la télé. Il y avait les petites décos, là. Et puis, voilà, voilà. La porte, on l'a repeint en gris. Elle est bien comme ça. Ouais, franchement, ça pète. Hein. Bon, après, je veux dire, je discute pas les couleurs. Hein. Moi, c'est le proprio. Il m'a dit, tu repas de cette couleur, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, pas de problème. Moi, tant qu'il me redonne ma caution, vous comprenez, ça me va très bien. Donc, voilà, les gens. Petite visite, quand même. Voilà, ici, c'était anciennement... le salon, cuisine, quoi. Parce qu'avant, faut savoir que... Je mangeais, je regardais la télé, enfin, on faisait à peu près tout dans la même pièce, quoi. Donc, c'est pas forcément bon pour les murs, quand on cuisine et tout, pour les appareils électroniques, avec la graisse. Donc, c'est un petit peu chaud. Voilà, là-bas, c'est la porte d'entrée. Ça, c'était le salon. Donc, en fait, du coup, c'est juste un deux pièces ici, quoi. Là-bas, c'est la salle de bain. Et là, aujourd'hui, on a fait la chambre, tranquillement. Et demain, je pense, demain, enfin... Peut-être attendre 24-48 heures histoire de passer une deuxième couche. On va attaquer le salon. Le salon, de toute façon, j'ai même pas encore passé une couche. Alors, qu'est-ce que je raconte? Voilà. Par contre, faut que j'attende ici avant de passer la deuxième couche. Surtout, bien scotcher toutes les prises, les interrupteurs. Ça, très important, histoire de pas mettre de la peinture de partout. Putain, et laisse tomber, je suis en train de marcher dans la peinture, moi. Je vais en mettre partout de l'autre côté. Oh là là, j'ai de la peinture partout sous les godasses, quoi. Bon, voilà, les gens. Fin de la journée. Je suis rentré à la maison, tranquillement. En tout cas, j'espère que toutes ces petites astuces arrêt déco, ça peut vous servir. On sait jamais. Allez savoir si vous avez un appartement à repeindre et tout, pour faire de la déco, que vous voulez récupérer votre caution. Surtout ça. Oh oui. Parce qu'ils sont très malins, les propriétaires. Très malin. Bon, sur ce, les gens, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez savoir, peut-être que la prochaine, ce sera chez Marc Emmanuel, chez les maçons du cœur, ou encore je ne sais d'autres. En tout cas, j'espère que c'était cool. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde, bye!